Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique après la douche, car j'ai eu besoin de me remettre les idées en place, je vais vous parler d'un film culte de ce fameux nouvel Hollywood américain sorti en 1971, Vanishing Point, ou en version française Point Limite Zéro, à ne pas confondre avec le Point Limite de Sidney Lumet dont je parlerai probablement dans pas si longtemps que cela, mais ça c'est une autre histoire. Concentrons-nous donc sur cette œuvre réalisée par Richard C. Serafian, dont je découvre ici le travail. Je l'avais vu en tant qu'acteur, une de ses dernières apparitions il me semble, dans le fameux Bound des sœurs Wachowski. Et ici au casting pour interpréter le personnage principal, nous avons Barry Newman, qui nous a quitté il n'y a pas si longtemps que cela d'ailleurs, assisté de Cleven Little, qui interprète un animateur radio aveugle, les deux ne se rencontreront jamais d'ailleurs. Il y a également Dean Jagger, et alors, dans la version britannique, que je n'ai pas vue, scène coupée, hein, sur, on va dire, la sortie internationale et américaine, il y a Charlotte Rampling dans le rôle d'une autostoppeuse, mais bon, voilà, bah, je ne l'ai pas vue, du coup, mais je préfère le préciser, au cas où. Et alors, oui, nous sommes en plein road movie, là. On va dire à l'américaine, dans une époque tumultueuse, évidemment, sorte de continuité, peut-être, quelque part, de Easy Rider, mais très différent dans le propos global, enfin, surtout dans l'approche cinématographique. Nous suivons un certain Kowalski, qui n'a pas de prénom, et c'est très important, une sorte de pilote, conducteur, en tout cas, qui, à peine arrivé à Denver, va se voir confier une mission à mener quelque chose, on sait pas quoi, hein, d'ailleurs, en Californie. Il arrive le vendredi soir, il doit amener ça pour le lundi. Ça lui laisse quand même le temps, un peu. Sauf qu'il va se lancer un défi, on comprend pas pourquoi. C'est ça qui est intéressant, hein. Peut-être acte gratuit, envie d'adrénaline. Il se décide le lendemain, donc le samedi, enfin à Paris, d'arriver en Californie le dimanche. Et pour cela, il va rouler à toute berzingue sur les routes, voilà, traversant les grands espaces américains entre le Colorado et la Californie, il va passer notamment par le Nevada, etc. Et à fond, sans dormir, il prend du speed pour ça, donc une sorte de drogue hein, qui dope. Et ils font spon, spon, voilà. Et il va vivre plein d'aventures, course-poursuite avec quelqu'un qui veut le défier. La police, bien sûr, qui le prend en fuite, mais il va les blouser. C'est intéressant en connaissant, enfin, on va en apprendre plus sur le passé hein, du personnage. Je vais révéler certaines choses ici, mais bon, il n'y a rien à spoiler. Si ce n'est le final, mais encore, je vais rester vague. Et aussi, il va devoir, à certains moments, s'arrêter malgré lui et croiser des chemins particuliers, enfin, certaines personnalités, notamment quelqu'un qui récupère des serpents, qui a des discours intéressants hein, sur certaines choses, ou un biker avec sa petite amie qui est nue sur la moto. Et en filigrane, vous avez donc cet animateur radio à distance, qui va entendre donc cette aventure en piratant les ondes de la police. Et c'est un afro-américain, c'est très important de le préciser. Il va prendre parti pour ce Kowalski mystérieux et en faire un dernier héros américain. Voilà, ça place directement le film dans une ambiance politique, dans le sens où cet homme décide que Kowalski est quelqu'un d'héroïque et qui veut se, on va dire, battre contre le système. Vous l'avez compris, il s'agit ici d'un métrage qui représente la contre-culture américaine de l'époque, alors que la guerre du Vietnam s'éternise, hein, on est post fin des années 60, ça se libère, mais quand même, derrière, il y a des choses qui sont en retenue. Et c'est ça qui est intéressant, parce que oui, c'est un film qui essaye d'être libérateur, qui met en avant les rejetés de cette Amérique qui sont voilà, oublié par un certain cinéma avant la libération de ce nouvel Hollywood, hein, 66, 67, 68, mettez le curseur où vous voulez, hein. Et il le fait en beauté, Richard C. Serafian, tout en questionnant quand même l'idée que ce personnage qui vient de nulle part, et qui va nulle part peut-être, enfin, il va en Californie, mais quel est le but derrière? Eh bien, représente une certaine forme d'ancienne Amérique aussi, qui a été bannie pour des raisons qui sont, enfin, il a été policier, le monsieur. C'est pas une surprise, d'ailleurs, de l'apprendre plus que cela, enfin. Et il a fait quelque chose d'héroïque, mais qui a été mal vu par son corps de métier. C'est ça qui est terrible. Ça montre que cette Amérique-là, hypocrite, a sorti de son carcan certains hommes, ici, en tout cas, qui avaient cette grandeur-là. Donc,
Oui, idée de libération, nouveau monde qu'on montre en avant, qui est positif, hop, etc. Mais aussi un discours sur, il y a une certaine forme d'ancienne Amérique, parce que Kowalski représente peut-être cette idée du Far West aussi, quelque part, hein. Rien qu'avec les décors filmés, de toute façon, ça donne cette impression. Donc cette idée que, ok, libération, mais le mal là, américain a oublié aussi certaines racines. Mais il y en a un entre-deux là, alors oui, bien sûr que c'est le nouvel Hollywood, hein, la façon de filmer, la liberté que le film prend, mais c'est contre-culture, oui, mais qui aussi essaye de remettre en avant des racines perdues d'une Amérique qui ici, de toute façon, est morte. Kowalski, c'est presque comme un fantôme venu dans de ses eaux, personnage fantastique, même si terre-à-terre réaliste, hein. Le fait qu'il n'ait pas de prénom est passionnant, parce que voilà, il est dénué de son Christian name, comme s'il était débaptisé, peut-être, par cette Amérique, la façon dont il a été exclu. On apprend qu'il a été pilote de course aussi, de NASCAR, de moto, bref, c'est un casse-cou depuis toujours. Il a refusé peut-être un certain système, tout en étant dans le système. Il a cette ambiguïté, hein, le côté dualité du film est aussi à travers le personnage. Et là, bah, on a l'impression qu'il n'espère plus rien, si ce n'est faire un dernier coup d'éclat. Pourquoi ? Pour qui ? Peut-être pour lui, ou pas, même pas. Et comme ça, à fond les ballons, avec une magnifique Dodge Challenger, évidemment. Et ça rappellera ce que George Miller fera avec Mad Max, un peu. Je sais pas si George Miller s'est inspiré de ce film, mais sur certains points, bon, ne serait-ce sur les poursuites, la façon de se filmer, de façon très réaliste quand même, il n'y a pas forcément des cascades de fou là non plus. Moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez passionnant dans la construction de certaines scènes. Après évidemment, c'est un film à étapes qui, entre guillemets, n'a pas de scénario complexe. Voilà, point A, point B, il va se passer des choses, il va arriver au bout, peut-être, comment. Mais la façon dont c'est narré et les éléments qu'on y distille sont très pertinents. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que ça a été coécrit par Guillermo Kane, qui est un écrivain cubain. Regard cubain, à l'époque, hein, sur l'Amérique, ça en dit long aussi sur ce que ça veut dénoncer, quelque part. Voilà. Donc, peut-être que Sarah Ruffian, lui, il a mis peut-être plus cette Amérique-là dans sa réalisation, sur un scénario qui était peut-être à boulet rouge contre l'Amérique. Et en fait, le film fait une boucle. C'est-à-dire que, c'est marrant parce qu'on va d'un point A à un point B, mais il fait une boucle en commençant par la fin. Sauf que, et ça c'est hyper intéressant à analyser, alors je peux pas le faire là après un premier visionnage, mais j'y réfléchis, j'y songe, mais que le début qui montre la fin ne montre qu'une partie de la fin. C'est-à-dire que vous voyez comment ça va se terminer, mais en fait non, il manque des éléments. Dans le montage, il y a des choix qui ont été faits pour qu'on soit quand même surpris en sachant où ça va se terminer. Ça, c'est très fort, parce que à certains moments, on pourrait s'imaginer quelle fin est fantasmée ou non. À moins qu'il manque des éléments. Et quand on essaye de remettre... J'ai revu le début après avoir fini le film. C'est intéressant, ça. Et je me dis, tiens, en fait, c'est pas monté dans le même ordre. Ça donne l'impression d'un choix différent, alternatif, ou pas. L'impression qu'on va en arrière, dans l'intro, et que dans la conclusion, ça va dans l'autre sens. Et intéressant comment ça a fait en film, hein, la croisée des chemins, Crossroads évidemment, hein, cette Amérique est en pleine croisée des chemins, donc une petite bourre qui passe devant l'écran, là, mais c'est pas grave, et aussi le panneau stop qui en dit long, voilà, la fin est assez ultime, hein, mais on sent que ça va se terminer ainsi de toute façon. Et l'intéressant ajout de ce personnage donc afro-américain qui décide de rentrer dans l'art en prenant cette histoire à cœur, une sorte de guide aveugle, là on en revient à la mythologie grecque, hein, sorte de trope ou de personnage qui a été repris notamment dans Oh Brother des frères Cohen, ouais, voilà, hein, les influences ou non, j'en sais rien, mais c'est très passionnant ça, parce que l'Amérique est aveugle, et là on a un aveugle qui guide un aveugle dans une Amérique aveugle. C'est un peu l'idée, quoi. Puis bon, les diverses rencontres qui font avancer spirituellement ou pas le personnage, c'est plutôt pour le spectateur, le personnage, lui, il rencontre aussi un couple homosexuel qui veut le braquer. Bon, c'est une histoire bizarre de cette Amérique, justement, qui ne sait plus où se situer. Et les Américains, dans celle-ci, justement, ont cette colère aussi, parfois la parano, parce qu'on peut les exclure. Donc il y a beaucoup de personnages, justement, exclus d'une certaine société-là, qui vont soit l'aider, soit lui mettre des bâtons dans les roues, selon, et la police, hein, qui est un petit peu incompétente jusqu'au bout, ou pas, voilà. Et j'aime bien aussi cette intro qui, bon, certes montre la fin, mais la façon dont on filme, en panoramique un peu, les grands espaces, mais aussi cette route goudronnée, t'as les gros caterpillars qui avancent, t'as l'impression que c'est pour goudronner une ancienne route du Far West, donc montrer le progrès de l'Amérique, mais en fait ça annonce la fin, mais l'idée elle est là, avec quelqu'un qui observe derrière sa fenêtre, c'est vraiment du western au début, hein. Mais un western qui est bouffé par le progrès et par cette Amérique qui, en voulant avancer, à un moment, a fait fausse route. Je pense que c'est ça. Et t'as un personnage qui, lui, veut pas faire fausse route. Il sait où il va, tout droit. Il se donne une limite.
il n'a pas le temps, parce qu'il n'a plus le temps peut-être, qu'il a perdu trop de temps dans cette Amérique-là, et il veut reprendre le contrôle de son destin, quitte à peut-être foncer droit dans le mur, on ne sait pas. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Je pourrais avoir éventuellement des réserves, parce que ce côté mécanique de ça, ça avance comme ça, mais je comprends l'idée. Ça va avec le ton du film et le message que ça veut faire passer. Avec des grands espaces, hein, c'est filmé quand même. Alors, c'est pas vraiment filmé. Enfin, c'est filmé Nouvelle Hollywood, mais avec aussi certains grands panoramas d'un ancien Hollywood, si on veut, western notamment. Ce qui montre vraiment pour moi la dichotomie d'un film qui dit beaucoup de choses. Question de le passé, le présent surtout, enfin, qui essaie de remettre le passé dans le présent pour avancer vers un avenir incertain. En tout cas, je vous le conseille, point limite zéro. Évidemment, il y a certaines choses qui ont mal vieilli, notamment dans certaines représentations. Bon, évidemment, c'est les années 70. Nouvelle Hollywood, si on veut, mais il y a des clichés, des stéréotypes qui ne sont plus le cas après. Bon. Mais c'est une œuvre bougrement passionnante à décrypter, à voir et à revoir, j'imagine. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de sa BO aussi, un peu rock'n'roll de l'époque, mais bref. Ouais, peut-être parfois trop de musique, quand même, à un moment. Voilà. Peut-être, là, un vrai reproche, mais... Ça va avec l'idée du speed et ça s'arrête jamais, quoi. Enfin, ça s'arrête des fois, mais voilà. Ah, bref, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.